Ah, comment c'est même pas rigolé. Je vais le porter 3 semaines d'affilée. Oh, vous savez combien ça coûte? La chaîne, vous le savez, j'aime pas acheter des habits. Je suis pas quelqu'un, je suis passionné de mode. Moi, short, t-shirt, ça va. Mais là, j'ai eu mon entourage, je les ai écoutés. J'aurais pas dû, je crois, voilà la chaîne. Ils m'ont dit, fais-toi plaisir, toujours t'achètes pour les autres, achète-toi pour toi. Ça te dira, j'ai acheté une tenue. Une tenue, un complet Gucci. Avec des... Je l'ai essayé. Il m'a coûté très cher. Voilà, je ressemble à un clown. Je vais le mettre, regardez. La tenue, c'est celle-là, la chaîne. Voilà que j'aime pas du tout. Regardez, s'il vous plaît. J'ai l'impression de ressembler à un clown. Voilà que j'ai été pris par la précipitation. Voilà, je voulais faire plaisir à tous mes collègues. Achète-le, achète-le, achète-le. Regardez, ça, c'est la paire de chaussures. Hey, je vous dis même pas le prix que ça m'a coûté. Mais voilà que je regrette. Oh, je vais le mettre à revendre. Les étiquettes, je vais jamais les enlever. Et si je dois le porter, ah, comment c'est même pas rigolé. Je vais le porter 3 semaines d'affilée. Oh, vous savez combien ça coûte? Eh, voilà que j'ai fait le con. J'ai fait le con, j'aime pas du tout. Regardez la chaîne, ça c'est la facture. Le survêt entier, plus les chaussures, plus le bob, 5 650 €. 5 650 € la chaîne. Voilà pour ressembler à Krusty le clown. C'est pas normal. Voilà que c'est pas normal, regardez. Mais j'ai trouvé une solution là. Là j'ai trouvé une solution. Le nombre de personnes qui viennent au quartier Stoffra, je le répète tout le temps. Mais c'est très dur. Très dur. Imagine-toi, ça fait 6 mois, tu te réveilles tous les jours. En 6 mois, t'as entre minimum 40 personnes qui viennent, maximum, j'ai pas envie de sortir le chiffre, parce que vous allez me dire t'es un menteur. L'été, on a eu des journées à plus de 1000 personnes qui sont venues. Et c'est dur, et c'est dur. Ça va, bonjour. Et les gens, ils veulent pas que la photo, ils veulent discuter avec toi. Et t'as 90% de « Ouais, je viens de cette ville, j'ai besoin de 2 000 €. » Ouais, je viens de cette ville, il m'arrive avec galère. Je les connais pas, les gens. Il y en a, je vous jure, qui sont venus au quartier, ils m'ont demandé, ils sont venus avec des factures, ils pleuraient. Ils m'ont demandé des 11 000 à 12 000 €. J'ai dit, frérot, tu vois. Et c'est très dur. Voilà, c'est très dur. Donc les gens qui viennent, des fois, qui disent, ouais, Nasda, c'est les froids en vrai. Je les contredis pas, malheureusement. Parce que quand c'est la vérité, il faut dire la vérité. Il y a un bon Dieu. Mais il faut comprendre aussi derrière que c'est dur. Après, tu peux venir. Des fois, t'as vu, je suis dans un bon mood. On va rigoler. Il y a trop de gras dans ce monde. Oh, depuis que je suis devenu connu. Oh, la chaîne, je vous jure. Je jure sur tout ce que j'ai de plus cher. Je jure sur tout ce que j'ai vraiment de plus cher. Des gens qui ne me disaient pas bonjour. Des gens, quand je commençais les vidéos, il y a des gens, ils me disaient quoi? Je vous le jure, la tête de... Wallah, wallah, wallah. Eh, qu'est-ce qu'il a? Lui, il croit qu'il va percer. Il croit que ça va devenir une star. Il croit que... Aujourd'hui, ces mêmes gens-là qui me critiquaient, ben, je suis encore là, je leur dis bonjour et tout. Et c'est ces mêmes gens qui me disent « Ouais, il a changé, Nasdas. » Mais mon frère, je... Ah, l'être humain, il n'y a rien de plus ingrat. L'être humain, il n'y a rien de plus ingrat. Rien de plus ingrat que l'être humain. Oh, il n'y a rien. Donc, n'écoute pas les gens. Et dis-toi que si un jour, tu veux te lancer ben, sur Twitch, faire des lives, tu veux... Je sais pas, moi, tu veux devenir connu. Ou tu veux te lancer même dans un projet, même sans être connu. Et que ton entourage te critique. Moi, j'ai toujours dit...